Bon, m'a dit bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être capable avec nous et partager l'expérience moi et puis faire première introduction ça à crypto-monnaie ou spécifiquement à crypto trading future crypto contract. Donc, c'est pratiquement si on mise à niveau que la pied. Et comme je pense à grand pile question, m'a juste passé à qui grand point nous t'a couvrir à soir. Et c'est ça que fait, on a une question. Je ne vais pas faire la interactive parce que nous, en pile, presque 176 personnes qui l'a actuellement. Donc, je t'ai souhaité chaque monde noter soit site slide là, ou du moins noter sous numéro slide là, et puis quitter question pour après pour nous capables d'avancer. Laisse ça me penser chaque monde, ça crivait généralement dans la séance, en question posée qu'on y a, dans le next slide là, ou bien dans la seconde après. Mon n'a qu'à présenter après le répondre parce que soit été inclus dans ça pour le dire. Donc, ceci étant dit, pour assurer ta main pratiquement couvrir qui sa crypto future yé, et un élément essentiel qui ça qui vient de donner, qui gens que ou capable recharger un compte future. Je pense que la majorité de monde qui l'a, moi, message dans le groupe là qui t'a dit chaque monde profiter, créer un compte en attendant et si vous mettez. Soit qu'à mettre à la donne, mettre jusqu'au cap, commencer, ouais, qui ont ça fonctionné. Donc, nous parlons, ouais, qui ont qu'à recharger, bien comment qu'à transférer compte sous lit, soit ou acheter directement sous lit, s'il permet lit, ou bien transférer le sous lit. Nous parlons, garder un élément qui est très, très important, parce que le futur, dit presque, pour fonctionner avec signal, et me penser, et c'est un travail que le groupe l'a fait, parce qu'il y a plusieurs. Et nous qui travaillons chaque jour, qui a cherché signal, analysé chat et puis partagé avec nous. Donc, il est important nous-mêmes, les informations ça a venir, faut nous connaître qui sont capables de traiter les et puis à chercher sur une plateforme qu'on a utilisée et puis ouvrir une position ou du moins exécuter ça qui suggère. Deuxièmement, après nous avoir lu un signal, nous avons besoin qu'on ait étape après à qui sait. Qui ont capable rentrer signal ça sur une plateforme. C'est-à-dire, entrer signal en plateforme veut dire pratiquement ouvrir une position. Ouvrir une position, c'est que si la tête dit short, long, donc pour rentrer à tel prix, pour sortir à tel prix, éventuellement, soit mettez et stop loss ou bien take profit, dépendant de ou même par rapport à ce signal-là qui est indiqué. Ensuite, nous pouvons regarder rapidement quelques plateformes que. Et qui buy future, un paquet no buy future, donc à ce on a passé sous 4 à pied joint et pratiquement pral faire, pratiquement, je pense que pral faire sous Binance, qui j'en pour cap commencer de l'écobla sous compte là, qui j'en pour capable si y a tel signal, qui j'en rentre, qui j'en sorti, qui j'en mette stop loss, jusqu'à ce que nous fait un cycle complet. Et puis, on a ouvert phase et on a parlé de QCoin, on a besoin d'interface QCoin, Ascendex et puis LBank. Il y a un pilote, Josias, qui a parlé de MXIC, qui est intéressant. Je crois qu'il y a l'autre monde encore qui a une question. Mais nous toutes qui nous avons des options, dépendant de un, ça qui fonctionnait dans la zone côté de l'IA. Et puis ça crée de acheter notre trade avec beaucoup plus de facilité. Enfin, nous avons l'ouvrir micro pour chaque pour monde qui gagne une question yo. Et puis on monde si vous avez une question, yo monde posez-le déjà ou pas obligé et reposez-le encore. Si toutefois pas comprendre, OK, n'a continuer avec lui. Je pensais ça. En résumé simple de ça que l'on t'a même couvert à soir. Bon, comme présentation, et m'a juste partagé, moi-même, c'est. Moi, je connais Josias, ça fait. Josias, ça fait un paquet de temps. Depuis 2006. Il est 2006. Depuis 2006, on a collaboré de l'université et puis de crypto-monnaie, des opportunités d'activité. Donc, nous toujours travaillons ensemble, même spécialisation. Donc, ça fait un bon bout de temps. Moi-même, particulièrement, et même c'est formation de base, moi, c'est agronomie. Particulièrement, je suis ingénieur agronome. Donc, j'ai été formé d'Amiens 2006-2011. Ensuite, je travaille pour compagnie privée. Je travaille au ministère de l'Agriculture. Ensuite, j'ai eu une chance à faire une maîtrise
aux États-Unis, Université of Florida, presque 2017-2019, pratiquement. Donc, c'est un master degree, côté que je puisse travailler sur crop modeling, agricultural modeling. Et puis, moi-même, tout son, je dis, un professionnel agrologiste agrégé dans l'ordre des agronomes de l'Ontario, pratiquement. Donc, ça, c'est puis actuellement, travail, moi, c'est je travaille à titre de statisticien agricole ou bien agricultural statistician et puis crop modeler. Donc, presque je travaille avec données en pile, donc il fait un amour pour crypto-monnaie, analyser chat, prendre position, spéculer, faire recherche. Et puis tout, moi, j'ai publié deux papiers ou bien deux recherches dans la revue scientifique. Et tout ça, mais c'est fait, c'est combiner la méthodologie de recherche que nous avons dans le monde scientifique là et puis comparer les mêmes recherches sur un crypto ou bien sur un projet et ça qui marchait et très bien. Et je pense que nous avons tous utilisé la même technique ça, au fur et à mesure que nous avons grandi. Puis, il y en a une grande passion que nous gagnons, moi, mais data science en pile parce que ça fait quelque temps avec données, équations, modélisation et puis tout. Moi, je suis un grand fan de. Et technologie de la crypto-monnaie, pour qui ça? Parce que moi, ouais, ça représente en termes de problèmes à résoudre pour le monde là. Et puis tout, bien entendu, ça pour nous, qui fait nous toute là, c'est opportunité, le gain, pour le TACAP fait que nous fait l'argent après nous comprendre qui a fonctionné et qui gêne nous-mêmes tout, donc à adapter nous à ça. Bon, j'espère que me dit assez, monde qui me pensait ça juste fait une idée de qui est ce moyen. Et d'autant plus, il y en a bagarre, on a diverses catégories de monde dans le groupe là, il y a des gens qui a travail, il y a des gens qui pas de travail, et peu importe dans qui groupe catégorie courrier ou gagner ou cap utiliser crypto-monnaie tant que son levier pour faciliter pour créer richesse. Bien entendu, c'est à travers formation pour qu'on ait qui gens pour capable faire les marchés. Donc, objectif nous est avec Science ça qui fait n'abattre le plus coûte possible et puis succès possible, c'est que en résumé, c'est permettre au monde capable l'ouvrir en position et fermer en position. Objectif là, il est très simple. Nous pas le faire en pile bagaille pour que l'on sorte là, pour nous connaître son style professionnel, nous pas aller, nous pas le faire million. Non, l'idée c'est que là, on a parlé de crypto future, on a parlé de crypto trading. Un, nous connaissons de qui ça va parler. Deux, nous-mêmes, nous avons râlé téléphone, nous, ou bien râlé ordinateur, nous, et puis nous capables de lire et information qui vient sous lit, et puis prendre position. Lorsqu'on prend position, qu'on a, ou cap définir qui quantité comme ou a fait par rapport à qu'on est et crypto à monter, ou bien l'app descend, ou qu'a défini profil automatiquement sans qu'on ait besoin de retirer des téléphones, non, mais des ordinateurs. Ou bien tout, ou cap arrêter pour cap définir perte ou, parce que ce n'est pas toutefois que ou prend position, ou pensez la monter, la toujours monter, parce que il y a une sacrée volatilité. Donc, les positions prennent, il y a un contresens que projection te fait, hein, ou cap toujours définir, il y a un sacré stop loss, ou bien un côté pour dire, OK, me saturer avec perte ça, m'a coupé, soit prendre une autre position. Donc, là, c'est là qu'il y a des stratégies là-dedans, mais à soi, nous ne pas rentrer là-dedans. Le but, c'est permettre que nous puissions ouvrir et puis fermer en position. Donc, je viens de dire, formation, ça, je vous ai dit au commencement, c'est une série que nous parlions. Donc, pour nous capables de venir, il y a des gens qui comprennent ça qui est trading. Donc, au final, nous allons passer sur l'élément clé qui permet que nous ayons une compréhension plus ou moins de s'allier et qui j'aime même nous capables et frapper ensemble avec lui. Avant de nous parler de crypto futures trading, nous voulons parler tout simplement de probablement qui ça y ont crypto trading ou bien qui ça crypto futures. Préalable de téléphone, petite différence tout petit, c'est que généralement, les gains ça crée les spot trading et lui-même, c'est qui s'allier, c'est. Si toutefois, vous gagnez 50 dollars et puis un token vend 1 dollar, vous pouvez acheter et puis l'aile monte 1,01 dollar, 1,2 dollars, ou vendre, ou faire différence. C'est-à-dire que lorsque vous faites ça, le premier bail qui gagne, c'est que vous gagnez un token. Vous pouvez disposer de lui parce que l'ivine, comme tu as dit, c'est propriété par où la donne. C'est qu'automatiquement, vous achetez lui,
ou gagner dans portfolio ou bien dans wallet tout si dépendant de côté ou acheter là l'irrité pour. Mais par contre, il y a un futur qui s'allie, c'est que c'est des contrats que vous achetez. Et là, je dis contrat, contrat caractérisé généralement par un prix et par une période. Mais nous-mêmes, généralement, nous pas presque trade future qui, sous des coûts de période, tant que quarterly, nous juste acheter un perpétuel qui pas en temps, pas en durée. La paix, il était ouvert. Tout temps que vous pas choisi faire même ou bien vous pas liquidé ou. Donc dans cas ça c'est que l'Europe fait crypto future trading ou pas gagner asset là ou gagner droit à travers contrat à asset là, dit son dérivative lié de asset là. C'est-à-dire si on achète un future Bitcoin, on pas gagner Bitcoin. Qui est différent si on pas trading m'acheter Bitcoin moi me gagner là. Donc c'est-à-dire que contrat li caractérisé par temps. Et puis qui permet de dérivatives à cette là. Mais maintenant qu'on y a une différence fondamentale que crypto future a, une différence fondamentale et qui ban nous un gros avantage, c'est que dès que vous achetez contrat, vous pouvez ajouter là-dedans un levier qui permet que si moi gagne $50 bien $100, vous pouvez ajouter un levier à lui. Ça nous attend de parler de l'évolution. 2x, 1x, 3x, 5x, même 100x, même, c'est que nous sommes capables, avec crypto future, là, ben, une opportunité pour nous faire $100, les marchés avec lui, nous pouvons faire vaut $200, les cas vaut $300, les cas vaut $500, dépendant de levier. Et l'un dit levier, pour nous tous qui t'es fait, nous croyons sciences et hygiène, 5e année, 6e année, nous rappelons, nous avons étudié levier, 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean. Et relions levier même qui s'allie, c'est permettre que, avec un minimum effort qu'on gagne, ou, c'est-à-dire force qu'on gagne, ou démultiplier à travers levier, pour permettre que, ou soulever un poids que sans levier, ou pas tape qu'à soulever. Pratiquement, c'est ça que lié. Et c'est-à-dire que je n'ai pas gagné $500 pour acheter Bitcoin, non, mais je gagne $100 pour utiliser un leverage 5, par exemple. Je vais leverage là, nous parlons de Pito ou bien Pita. Sanka, il est bien entendu, Pita, Sanka, il est. C'est l'endroit le via, nous parlons de qui j'en nous capable. Nous parlons de l'autre façon, puis tard, qui j'en fait risk management, qui principe pour nous utiliser dans le chargé de levier. Est-ce que nous prenons 100? Est-ce que nous prenons 5? Ça, on peut rentrer dans le cadre de notre formation. Donc, en fait, c'est nuance que moi, je voulais et fait. Qui ça qui crypto future, qui ça qui ça lié et qui ça que lui permet ou fait. Donc, c'est en réalité, lui permet ou avec une quantité comme vous gagnez, prendre des positions qui plus gros que si vous avez comme vous seulement côté capot. Donc, seulement, il y a des risques associés. Ce qui pral fait objet de l'autre training, excepté si vous avez stable placé un mot directement là. Et non point d'utilisation levier. Sinon, nous pensons nous capables. Je disais, c'est pas qu'on savait juste un mot sur question, sur aspect crypto future là, comme rapport pour mon mieux. Ok, en fait, avant je vais mieux tout le monde pour nous, mieux tout le monde pour nous parce que nous au final on va décider mieux tout. Donc, Jean formaté à t'expliquer nous là. Donc, si tout n'en sa mouen, mais n'en sa format de la tapis, que là, c'est question de levier. Donc, c'est yon objectif qui fait que nous a fait feature. Donc, c'est levier à même. C'est li ba le sens. Parce que, ou ka gen $100, et puis ou voulez entrer dans la position. Donc, d'abord, entrer dans la position à $400, mais vu que $100 seulement gagne, eh bien, feature a bon possibilité pour prendre un levier 4. Pour multiplier $100 là-bas 4, et comme si vous venez 4. Agent. Donc, c'est opportunité liée. Donc, nous avons essayé d'avancer. Donc, je pense que je vais vous parler. On va poursuivre avec la formation. Après, nous allons poser des questions. OK.
Donc, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est qui gens nous recharger yon compte YouTube. Et moi fais assumption que chaque monde qui là ta va gagner yon compte future de gagner un compte non plateforme dans liste plateforme que nous allons capable faire future parce que c'est pas toute plateforme yo vraiment qui offre future, mais pour l'instant majorité nan yo moins vrai ça mentionné yo fait future trading. Donc, il y a plusieurs façons où capable ajouter et j'ai moins pas attendre bien, mon yo fait trop bruit, essayez faire mes micro yo s'il vous plaît. C'est m'entendez tout mon yo m'entendez un bout, m'entendez l'autre mon yo bout. S'il vous plaît, m'vle tendez, fait mes micro tout le monde. OK. Gen plusieurs bails sur écran, donc il est difficile m'ka fermer tout le monde à la fois. Mon yo essaye plus ou moins compréhensible à l'autre mon yo qui veut tendre à nous, s'il vous plaît. Attendez. Gen Arichel qui a bail problème. Arichel là, c'est le qui a bail problème. Arichel. OK, bon. En tout cas, OK. Donc, le premier élément, c'est l'important pour gagner un, pour gagner un compte, pour l'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange et li capable Binance pour Binance International pour monde qui pas États-Unis ou bien pour monde majorité monde qui pas États-Unis capable d'utiliser Binance ou bien KuCoin ou bien Elbank ou bien Ascendex, dépendant de préférence, non, dépendant de qui ça est. Donc, il y a plusieurs façons. Première façon que moi m'utiliser en pile, l'aime t'a commencé, c'est surtout sur Binance. Binance offre opportunité pour capable acheter directement sous lit. C'est-à-dire directement sous lit avec carte de débit ou bien carte de crédit. Et m'crel offre service de wire transfer à tout. Mais généralement, acheter avec carte presque suffit pour moi. Donc, première étape là, nous pral faire exercice, un petit exercice tout à l'heure. C'est un ou gain account là, gain des plateformes qui m'a dit pour vérifier, dont Binance, ça qui est différent pour KuCoin ou bien Ascendex. Donc, les accounts ou fin vérifier, ou ap capable acheter directement sous lit. C'est que première option gain qui est plus simple, ou entrer carte de crédit ou acheter token ou acheter. Mais dans le cas pas nous, comme nous parlons de trade et future qui lié à USDT, donc on a besoin USDT pour nous déposer comme collatéral là ou bien COB en fonction de l'île, nous pouvons prendre leverage là pour nous capable rentrer dans position quelconque. Donc l'autre moyen encore qui en pile mon utiliser généralement j'ai l'impression dans mon Haïti yo risqué dans mon Haïti yo risqué dans cas ça en raison simple que moi apprendre récemment c'est que en pile dans banque haïtienne yo presque pas vle ou interagir carte de crédit ou pas avec carte de crédit ou débit interagit avec plateforme qui vend crypto monnaie. Est-ce que c'est pour sécurité? Moi pas connais, mais c'est nouvelle ça que moi gagne. Dans cas ça, l'autre option qui gagne c'est que y a monde qui capable acheter token pour avec carte de crédit et puis qu'on y a les monde fin acheter USDT pour li ka il ka ou ka voyer adresse USDT pour lui-même pour capable voyer token ça pour. Nous connaissons ça, c'est en pile parler un monde qui pas encore j'aime ouais à qui son plateforme semble un transfert fait. Li ka arrêté dans l'air, t'aime essayer garder, t'aime faire un exemple pour nous pour nous tabawé avec qui ça li semble. Bon million seconde. OK. OK, all good. Donc là, ça m'a fait là, pratiquement avec ces Binance, comme sous l'image, il y a 4 qui est installé.
Donc, on va le montrer nous rapidement qui gens ont transaction qu'a fait. Bon, j'ai quatre comptes déjà connectés, which is good. Let me confirm. Donc, pratiquement, dans chaque, est-ce qu'une carré, une personne carré comme moi, nous va regarder que l'air que nous connecter comme compte là, t'es gênant, nous qui est un login déjà là-dedans. Donc, les montées, pas besoin de authentification. Compte moins tout connecté à lui. Donc, l'idée c'est que Binance offre possibilité pour nous capable tout acheter avec carte de crédit. La donne directement comme option, comme première option que moi t'ai montré nous, donc acheter crypto avec carte de crédit. Donc on ka di quantité comme m'a pas acheté, nous ka garder là, il dit m'ka acheter entre 20 000 et 500 dollars canadiens. Donc, les consacres, nous avons dit que nous n'avons pas besoin de USDT, nous pas besoin de Bitcoin, nous avons besoin de USDT. Okay. Et puis, nous disons, par exemple, 50 dollars. Pour 50 dollars, il dit que nous sommes capables de jouer 39 USDT. Et puis qu'on y a l'ipoal bonne option pour me continuer. Même j'ai pas tenu à la tête d'y aller à mes amis. C'est fait très très bon. Et c'est fermé honnête. Voilà que c'est seulement qu'il y a possibilité ni pour ouvrir ni pour fermer. Parce que mon yo. Non, mais. Excusez-moi. Je vais parler à la prochaine formation. Parce que je vais autorisation. Assurer que tout le monde est responsable. Il y a qu'à fermer mes micros. Prochaine fois, on va éviter ça. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Mais son step est au blin, j'ai froid, ça va être problème. Non, regardez. Ok. C'est comment on dit mon arrêté? Au blin, j'ai froid. Il ferme le gounia. On a fait un micro le gounia. Il ferme le, ok. Ok. OK, merci. Donc c'est dans processus ça nous capable acheter crypto monnaie avec Binance. Et processus là, il presque même et avec ça, on capable acheter avec les cartes de crédit et on capable acheter avec ça nous capable third party que on joindre sur Qcoin tout côté que ou ka juste il faut acheter à travers yon lot yon tant que son lot banque qui fait échange entre vous-même et Binance. C'est-à-dire que, par exemple, là, si je n'ai pas utilisé, je n'ai pas acheté crypto, utilisé un third party payment, ça veut dire que je n'ai pas utilisé un monde qui en dehors de moi-même avec Binance. Ça, c'est l'événement de notre troisième entité dans la chaîne. Non? Donc, dans le cas ça, je suis capable d'acheter à travers lui-même. Généralement, frère, quand on a des gens Pigo, et puis l'autre part, il y a là-dedans encore tout, même quand on vérifie avec Binance, généralement, il demander l'autre information même. Mais généralement, l'information, ça aussi, c'est juste pour sécurité, pour éviter, entre guillemets, blanchiment l'argent, ou du moins, ce qu'a tracé et qu'on ait tout le monde qui a fait transaction en termes de crypto-monnaie. Donc, effectivement, il me dit qu'il montant m'a pas acheté 50 dollars. Comme pas besoin de Bitcoin, non, c'est besoin de Bitcoin, t'as pas acheté Bitcoin, mais comme c'est future besoin gain, m'a acheté USDT. Et puis donc automatiquement, je clique sur Simplex là, il pourra le mettre dehors de Binance pour permettre que moi capable à l'acheter token. Et ceci est aussi vrai pour que Ascendex, je vais le montrer nos screenshots de tout à l'heure, et que Qcoin ou bien que Lbank. L'autre moyen que nous avons renfloué contre nous avec l'argent encore, comme cela a été dit, c'est que nous sommes capables de faire un monde voyer token ça pour nous. Donc, dans le cas ça, l'enfin connecté sous Binance ou bien n'importe plateforme, non? Donc, comme si Binance m'a fait exemple pratique ça avec lui, nous pouvons aller, généralement, ils ont presque tout semblé. Soit ils ont sous couverture wallet, ou bien yon sous couverture fond. OK? Mais yon nan bagay qui est intéressant pour nous capable comprendre, les yon kob nan
Léon Cob, par exemple, en dans Binance ici, il n'est pas nécessaire. Léon Cob en dans Spot, il n'est pas nécessairement en dans Future là. OK? Ça, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que même les que on moun dépose encore pour moi, m'obliger quand même à transférer sous compte futur là. Mais pour première étape là, pour qu'a fait déposer compte là si son Binance sous gain par exemple, donc on va le faire USDT deposit. Nous cliquer sous lit, qu'on y a il me dit c'est USDT me besoin déposer sous compte moi ou bien que m'a recevoir d'un autre monde. Ensuite ça me va le faire, on va choisir sous qui network, sous qui réseau m'a fait comme la passer. Il y a un réseau pour nous pas presque utiliser du tout si possible, c'est réseau et Ethereum, ERC20. Parce que au moins, ou bien 20 à 25 dollars, il apprend pour vous pour transférer n'importe presque quantité de USDT qu'on a besoin de transférer. Donc, il y a une meilleure option que moi-même, et Binance Smart Chain, il est presque entre 0,8 dollars et 1 dollar avec tournant qui est extrêmement rapide tout, qui presque 1 dollar. Poco Solana presque nouveau, je n'ai pas de ma fait transaction sur, donc on pas qu'on fait transaction Solana, mais au 10 000 relativement bas prix. Mais ça, pour nous comprendre que, et Binance Smart Chain, li, si on a transféré pour, au mieux qu'on capable de faire transférer soit sous Binance Smart Chain ou bien Tron Smart Chain. OK? Mais espérer ça résumer en quelque sorte, m'a juste reprendre encore, même si nous pas regarder vidéo, pour nous recharger compte nous. Jusqu'à présent, nous avons un compte future. Nous avons un spot account. C'est-à-dire, account côté l'offre achat, côté que, et crypto ou bien l'argent Alchita. Donc, nous avons fait buy crypto directement, soit par credit card, ou bien utiliser un third party. Puis tout, puis aller, vous battez pour le sécuriser au plus que possible, mais li pas fin confortable là-dedans. C'est que, et tant qu'on moun ka en l'autre côté États-Unis n'importe côté lié puis moun nan gen besoin USDT et puis moun gen cob moun voye cob bay moun nan sous compte li et puis moun nan voye USDT pour moi donc li gen sécurité quelques sécurités qui lié à li qui mitigé parce que Binance par exemple me rassure que nan ka ça que les moun nan la voye USDT pour ou, que le voye avant que ou libérer cob là. Et si vous n'avez pas libéré comme là, bien que vous avez fait plainte ou rempli une plainte pour lui, côté plainte pour lui, puis vous êtes capable de pénaliser et éventuellement retourner comme ça pour même pas trop utiliser. Et si comme on a acheté et voué pour vous, il est pratiquement venu tant que son P2P. Vous n'avez pas gagné USDT, il a besoin de cash, vous avez besoin de USDT, et puis vous n'avez besoin de cash, quand il y a mon engagement à l'ivoire USDT pour vous mettre sous compte et puis vous déposez comme la poli donc il presque pratiquement son P2P sont pas besoin de passer par une plateforme à part entière et l'autre moyen encore pour recharger compte tout c'est à travers dépôt ou faire dépôt ou on pas montrer adresse là on pas de temps jusque là c'est dépôt ensuite on dit c'est coin USDT. Et puis, si je me dis, je prends Solana, par exemple, donc, on y a là, il va générer l'adresse là. Lès que vous pouvez faire mon envoyer compte là pour vous et envoyer comme là pour vous, vous pouvez juste qui soit pour le faire, vous pouvez copier l'adresse là, nous qui a highlight, qui souligne, qui assure, nous copier ici, et puis vous êtes capable de faire mon envoyer. Voyez USDT à pour nous. Donc, dans le cas ça, il y a un dans à 40. Mais dans le cas de Binance, pour arriver même dans le 40, dans le compte trading, ou capable juste à dans le compte future là, d'abord, parce que c'est là qu'il commence à vivre un petit genre intéressant, ou gain future là, USDT M futures, ou rentrer là-dedans, qu'on y a là, ou capable aller ici là, comme transfert, et puis ou dit ou ap transférer comme ou gen sous fiat là, et dit soit cotage ou te voué pour ou, et puis ou pral voué nan future account là. Donc là, comme gen 2 dollars sous compte spot là, par exemple, m'ka dit max, et puis si m'confirme l, la prend nan spot account là, et puis la ajoute l nan future account là pour moi, pour m'capable trade. Donc là,
aussi simple, nous voyons qui j'en un, les ou gen account lan sous Binance par exemple, ou capable soit acheter crypto-monnaie, les sous support account lan, soit par carte de crédit, soit par un monde qui transfère le pour ou, et puis ou capable transférer le dans Binance account, dans future trading account ou, de sorte que qu'on y a là, ou capable à le prendre position. Donc, je pense que ça fait un résumé. Dans la question, s'il le faut, m'a retourné sous lit encore. Donc, ceci, c'est pour répondre à comment recharger un compte future. Et le élément important dans le training, c'est qui gens nous lit un signal. En fait, nous avons dit qui ça un signal dit. Yon signal pratiquement, c'est un mot sous information que yon moun qui habitué de trade déjà, après lecture li fait de chat li, après l'information qu'elle recevoir dans le jour ou bien dans le matin, d'après observation que tu as fait, qu'on y a li dit que ça sont l'autre formation qu'on li pral lié, bien entendu. Li pral dit OK, et n'a pral entré dans Doge. Si Doge atteint tel prix, n'a rentrer à tel prix et si que li pensait Doge a monté, donc li pral définir sans position, c'est-à-dire s'il pense la monter la plongue, s'il pense la descendre la short, donc nan ka ça pour ka permettre que li prend position. Donc target là veut dire c'est qui prix la tan lié pour capable vendre. C'est-à-dire s'il acheté Doge par exemple à 0.22 $, il dit que le pense la prouvé à 0.30 plus 0.25. Donc, target li, il dit, m'achetez-le, m'entrer à 0. Nous pas besoin d'inquiéter nous, nous allons montrer nos exemples pratiques. Nous connaissons généralement un mot qu'on n'est pas trop facile pour savoir capter, mais qu'on bat l'image, il y a les rapides. Donc, c'est juste une entrée en matière. Donc, point bas là, c'est que l'indice de symbole là, il y a un symbole qui est capable de 3 lettres, qui est capable de 2 lettres, qui est capable de 5 lettres qui représentent un token ou bien un crypto-monnaie. Donc, si on prend Doge comme une référence, donc il est représenté par 4 lettres, qui c'est D-O-G-E. Si on prend Ethereum qui est représenté par 3 lettres, qui c'est E-T-H, ça c'est le symbole qui représente crypto-monnaie dans toute blockchain. Si on prend Bitcoin, il c'est BTC. Sous prend Decentraland que ou bien Sandbox que a tué dans pile juste ça dans metaverse symbole Decentraland li c'est MANA M A N A. Donc ceci ce sont des symboles qui représentent une crypto monnaie bien qui représentent un projet sinon capable de dire comme ça. Deuxième élément pour garder dans signal là, je me dis là son piste d'information, un mot sur information qui gagne d'autres informations en dedans. Donc l'autre information, c'est entrée, comme tu as mentionné déjà, c'est à qui prix ou à possible pour rentrer dans la position. Est-ce qu'on va prendre à 0.25? Est-ce qu'on va prendre à 0.22? Mais tout ça, il n'est pas juste un guess, il n'est pas juste estime ou estimé, c'est en fonction de calcul ou fait, de lecture ou fait de chat ou pour dire OK, ça, sont bons entrées que liées. Nous, quand on suit ce groupe Telegram, il y a plusieurs fois, modérateur dit OK, rentrer dans telle position si il fait tel bagage ou bien il bon un intervalle de prix pour rentrer. C'est que généralement il connaît un point de breakout côté que il pensait s'il franchit tel support, s'il quitte tel, il risque de descendre plus donc probablement il a besoin de short. S'il casse son résistance par en l'air, il a pile chance pour que résistance ça qu'on a vienne tenir support, il continue monter. Donc n'en prend quelques en haut, nan, après fin casser l'essence là, les résidents ont une référence. S'il allait plus haut, n'a pas rentré dans le ça. Mais tout ça encore, il fait pas de l'autre formation que nous avons gagné, puis on l'autre là. Donc, c'est pour nous capable d'expliquer ça qui entre. Entre à li calculer, li mesurer par rapport à ça que nous relais analyse technique et puis éventuellement qui information qui gagne. Parce que, et ça me vient moins compte encore, et chat là li fondamental dans crypto monnaie ou bien qui dans stock market de prendre décision mais gen momentum qui gagne dans yon et dans prix dans action prix en token li
essentiellement piloté par une information, une bonne nouvelle ou bien mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle qu'a fait en crypto-monnaie monter, nous avons été passé en mai avec Bitcoin par exemple, ou bien qui a affecté toute marché. Tesla juste dit pas recevoir l'encore. Chine dit la benni et puis boum, toute maquette la crash. Ou du moins, ce qu'il y a le crash, mais le correction. Bien, mais terme correction, plutôt parce qu'elle fait plus sens, les bas ont monté trop, faut font corriger pour continuer courir. Bon, bref. Et yon position, c'est pratiquement, c'est tout jeu à qui les positions. Mais par contre, en tant que tel, yon position n'a pas parlé de direction position. Si par exemple, anticiper que j'en tape dit à Doge et Elon Musk dit, par exemple, il peut accepter Doge pour acheter cela, ou bien telle grande entreprise d'où qu'a utilisé Doge pour faire une activité quelconque, et nouvelle la fin que sorti, donc vous pensez Doge pour aller quitter 0.25 pour monter 0.30, 0.5. Donc là, le fait que vous pensez c'est monter la montée avec nouvelle là, ou bien chat là d'où c'est monter la montée, donc position à prendre, vous allez acheter en longue position. Ou long non short là vous pensez que le fait que prix a monté donc vous acheter le konya pour capable venir picher pita. OK, donc si toutefois tout où est que token nan décadence ou bien pour nouveau pour l'autre li atteint un montant limite côté que tout indicateur dit ta doit gon on renversement nan tendance quoi et positif et crypto a monté. Donc, là, ça, qu'on y a, ou pensez que l'IPRAL redescend, soit pour une correction, là, ça, c'est technique analyse technique, ou du moins, si ça sont des nouvelles, donc, là, comme ça, ou pensez que le fait que 2025, ou pensez à descendre 0.20, 0.10, là, c'est un bel moment pour capable, ou c'est ça, ou short token, là, et d'acheter un contrat pour que, ou acheter le nom prix qu'on y a, OK, pour qu'à venir plus bas. L'élevant, c'est que tant coup ou gagne bien, mais comme on connaît le cas, perd du valeur ou acheter le qu'on y a. C'est-à-dire, pour capable faire plus comme sous lit, les co-shortlist, c'est que les gagne des cadres de machia. Il est presque similaire avec Monkey Contract Options, sauf que options sont caractérisées par une période de temps bien définie, et puis au moins chaque contrat gagne 100 unités de stock là-dedans. Mais l'idée, c'est même, c'est on put. Yon call. Et puis, target, je te dis, c'est le fait que vous pensez Doge a monté, il était 0.20 par exemple. Target aussi, ou l'ongli, vous pensez la monté, target ou 0.22, il a 0.23 ou bien 10%, 5% en plus de prix actuel là. Donc, living target. Target ou c'est qui prix à lui-même ou prend profit dans position. Ou faire une position pour capable prendre profit. Donc, il y a dans deux sens position. L'autre élément encore, dans le signal là qui baille, généralement, c'est un stop loss. Parce que ça arrive souvent, vous faites toute analyse, vous pensez et crypto après aller non direction, et puis pour une raison pour l'autre, on va y avoir que ou pas de connaît, bien que des en nouvelle sortie après, vous faites analyse là, et puis token là, ou bien crypto aller dans la direction opposée. Je prends des exemples simples pour que nous puissions percevoir li, c'est que li fait route opposée à son pensée. À route longue, parce que pensée tape monter, et puis le contient descend. Ça qui vient arriver, li capable ou stop loss là, veut dire que c'est qui pourcentage ou d'accord jusqu'à qui quand c'est comme ou choisi perdu, si que et tendance là aller dans à l'encontre à son pensée. C'est-à-dire qu'il dit à 0.20 ou qu'a dit. S'il y a 0.15 par exemple, son exemple m'a dit comme ça, m'pap kembel encore. Il arrive que 0.15 là en deçà de liquidité qui sont l'autre aspect encore dans crypto mais l'idée c'est que si il me pensait il parle 0.25 parce que ma marche à 0.20 et puis la descend qu'a dit m'pap t'en arriver plus bas que 0.15 ou bien m'pap t'en arriver plus bas que 0.22.5 m'a venir pour que m'capable perdu. Pour me capable à dire, c'est maximum quoi je choisis perdu dans la transaction ou bien dans la position. OK? Donc, ça, il y a un élément, ça, lorsque vous finissez l'ouvrir position, c'est fondamental pour capable définir clairement pour que vous retirez vos émotions.
Avec le temps, ça vient avec le temps parce que ce n'est pas, j'en ai dit dans le début, c'est une introduction liée pour nous comprendre ça d'abord nous-mêmes. On va le partager signal avec nous, mais après, ils vont l'heure, nous allons choisir, nous allons chercher propre signal par nous et puis tuer par nous. Mais pour l'instant, nous avons qu'un peu d'information et puis partager signal ça avec nous pour permettre nous grandir et comprendre qui gens ça fait. Donc, je pense que c'est l'élément essentiel ça qui est dans ce signal là. Donc, il y a un élément très non cadre pratique, toujours dans comment lire ce signal là. C'est que je vais prendre deux comme exemple, c'est parce que vous avez partagé le jeudi à ce groupe-là, ce groupe Telegram, je suis sûr que plusieurs ont été li, plusieurs ont été li. Mais maintenant, un monde qui est habitué avec Crypto Future, li connaît qui est capable d'utiliser l'information ça à profit de, au profit de lui-même. Mais par contre, un monde qui est la première fois, qui ça, ça veut dire? Ça, ça veut dire comme, comme signal, ça, c'est un signal que lié. Premier bar qui la donne, li Doge. Doge qui s'allie, si nous changeons, il est symbole token. Nan. Token nan le Doge, symbole là, tout de même lettre. Donc, je vais un exemple de USDT parce que dès que nous futur contrat perpétuel, généralement, ça a eu tout connecté. Pourquoi pas entrer dans le levier pour qu'on y a? Ça, c'est très bien que le modérateur a ajouté le levier, mais nous allons aller sous position. Qui type position que yo te bay pour Doge jodi a? Donc, nan signal ça. C'est que yo te dit son longue position. Longue position, vous dit qui ça? Nous pensons que Doge a augmenté prix nan journée ou bien nan intervalle. Parce que ou ka trade nan moins que 24 heures, donc ils sont day trading, mais ou ka trade tout au-delà de ou ka quitter position l'ouvri overnight, les ou ka commencer par le swing trading. Donc, nous avons une petite position, je te dis, c'est qui position le TE, quand nous allons regarder entry. Entry, il n'y a pas de prix fixe, il n'y a pas de zone, mais c'est toujours une entry. C'est Dieu dit, nous avons rentré là-dedans, si le prix est 0.20 et 0.215, donc nous sommes capables de toujours son bon position pour entrer. Parce que qui sa target là est, à qui côté il a besoin prend profit à c'est à 0.23 donc c'est dit donc absine pour la 0.20 la fête de 0.20 à 0.23 côté que c'est target mais au cap défini plusieurs targets si momentum là solide là dans toujours au cap prend premier quand c'est profit là probablement au cap prend 50% profit si vous êtes de 0.20 ben 0.215 à 0.23 ou qu'après, yon premier profit. Donc, premier target ou définir, c'est à mi-chemin ça. Et si momentum nan continue, li monte jusqu'à 0.28, donc, ou capable de fermer position là. Donc, ça, nous cabre les profit ça yo qui se, ça nous dit, target là. OK? Donc, c'est yon même sous base yo, ou apé, faire une position pour qu'après un profit. Mais, li ka arrive tout pour une raison pour un autre, ou rentrer à 0.20 dans la position qui c'est entry point là. Mais par contre, position aller à l'opposé de calcul nous te faire. Donc, dans le cas ça, on dit que ou choisi perdu seulement de 0.20 à 0.18. Ce qui veut dire à 0.18, n'importe gens ça y est, qui me perdu 5, 10, 20, 100 dollars. Me faire une position pour éviter perdre du moins. Parce que par expérience, ça qu'on arrive, bon, ça pour l'entrer dans la gestion de risque, même quand tout partager, des fois, c'est un risque lié, un risque calculé entre pas mettre stop loss là, là mettre le plus bas et choisir mettre le et veiller en meilleure position. Pour nous qu'on y a, li pourquoi faire trop sens parce que li gen des calculs qu'il y a avec lui soit qu'il a un portfolio à combien qu'il coûte qu'il est investi là dedans déjà et éventuellement il peut arriver que ou mettez stop loss là ou perdu cobla mais il peut perdre tout il descend plus bas et puis ou soit vous perdu 100 dollars rentrer plus bas vous faites 200 vous faites 50 vous réduisez comme vous avez perdu à comme ça tout le non risque qui gagne non pas stop loss là c'est-à-dire ça son gros débat que lié entre mettre stop loss et pas mettre stop loss. Parce que vous pouvez mettre stop loss et puis les continue de s'en avec une grosse correction et puis vous lock dans la position. Il ne peut pas atteindre
il pas presque atteint point pour l'équipe liquido, c'est-à-dire pour tout comme vous gagnez en position aller, mais il arrive tout, il ne peut jamais monter en côté même quand tu as 20 pour perdre. Donc, il a fait 2 jours, 3 jours la donne et bloquer la donne. Qui compte montrer une importance pour stop loss. Ça encore, nous pas besoin à réfléchir sur l'iconia. Moi, je que c'est mon icône chez lui déjà, parce que l'iPal fait partie de l'autre training, parce qu'il peut lier entre gestion de risque, gestion de portfolio et puis analyse de chart. Parce que vous connectez en pile, dans qui j'ai un portfolio, qui quantité comme maximum pour le bon position et puis qui leverage pour utiliser. En parlant de leverage, je vais prendre sous lien dernièrement parce que lui-même, nous pouvons regarder les nap gade pratiquement sous Binance qui j'en nous rentrer ça la dernière, c'est que yon levier, c'est là ça que moi dis, si m'te rentré à Doge à $100 et modérateur la suggéré levier 3x4x, je dis que l'aime bien $100 dans position enlever 3x, c'est que la multiplier comme m'te gagne par 3 ou bien par 4. Qui a fait que ma trade qu'on y a en guise m'a trade avec $100, m'a décaché $100 doge, l'elle monte m'vanni, qui différent si m'a acheté un contrat avec cob moins qui vaut, qui c'est $100, mais à grâce en levier, l'ivine vaut $300, $400, qui fait tout intérêt dans crypto, dans crypto contrat. Mais tout, s'il allait à l'encontre, cob ou risque perdu le vide. Donc, c'est dit, ça encore, et leverage là est extrêmement important, mais il est extrêmement fragile. Parce qu'à chaque fois où on levier, c'est pour qu'on ait à qui pourcentage, il y a voué ou aller, ou bien il y a liquido, c'est pour un 100 divisé le par lui. C'est-à-dire, plus ou bien petit levier, sous diviser 100 par 4, donc presque, ouais, que, ou a gagné presque 25, ou a besoin. On réduction de prix de 25% pour ka liquido. Ça a que sous pas bon crash qui est très difficile. Ça fait, bon, c'est dans l'exomation, nous parlons ici, ouais, on range, on champ de levier capable d'utiliser pour permettre que, pour réduire liquidation. Il est vrai que sous gon pigo levier 10-20, et dit $100 a presque fait et $2000, par exemple, mais tout, lorsqu'on levier 20, c'est que depuis on variation de 4 de 5%, on va acheter de 5% dans la market. Là, il dit, token a augmenté 5% ou diminué de 5% contre tendance ou TMTA, $100 là, il peut aller. Donc, encore gestion de risque. Donc, côté que si nous ne pouvons pas maîtriser crypto et future là, conseillez-nous, essayez d'utiliser le leverage 1.5, 2 jusqu'à 4 au grand maximum. Jusqu'à ce que nous avons expert, on l'a dit, bon, on a pris le levier 5, ou bien pour tuer ça, comme c'est son 6-4 max capli, on prend 10. Mais ça, c'est encore une formation qui peut avancer que n'a pas ça. OK. Donc, moi, je te dis, nous, on va garder avec Binance pour nous, qui j'en que nous sommes capables l'ouvrir en position et fermer une position. Donc, il y a plusieurs étapes là-dedans. Donc, j'aime ça te montrer qui j'aime pour acheter crypto, qui j'aime pour transférer sous compte future là. Je vais montrer qui j'aime pour être capable d'ouvrir position. Donc, il y a plusieurs étapes là-dedans qui sont simples et nous sommes capables de prendre photo si nous voulons juste une carte. Donc, c'est d'abord, c'est ouvrir plateforme non, qui c'est qui plus qu'en évidence. Donc, ou aller sous zone de future trading, non? OK? Ou pour identifier par rapport à ce signal là, c'est qui symbole yo di ou yo te bon pour les pour li. Binance gen yon bay la dan, c'est que sous fait connecté, ou bien presque sur plateforme yo tout bon yon levier 20 pour commencer avec. Donc, li bon pour que ou redéfinir li pour qu'ap mette dans levier qui confortable pour vous pour l'instant. Et jusqu'à présent, je pas conseillé pour monde qui a essayé de travailler ensemble, pour débutants, je pas conseillé d'aller plus que 4 pour limiter le risque de liquidation comme bois si que tendance là aller à l'encontre. Donc, ensuite, nous pourrons regarder qui méthode pour nous ouvrir position, qui font l'autre élément intéressant. Je vais rappeler une vidéo qui s'occupe de. Je crois qu'un modérateur a été posté pour nous, qui était un coup d'exemple.
Donc, nous avons toujours référé à lui pour nous garder qui nous sommes capables de faire ça. Ensuite, nous avons défini qui montant comme nom de portfolio que nous avons mis dans position. Binance peut tout faire ça au catapulte ou bien qu'on mette un pourcentage. Moi, je vais même mettre un pourcentage, mais je me dis, OK, position ça. Pour commencer, je vais commencer avec 10% du portfolio. Ou bien, je consacre 25% du portfolio si le portfolio a petit, 25% de $100 ou bien de $1,000, il fait en différence. Donc, à vous même de décider par rapport à l'information gagnant qui ça va mettre la donne. Ensuite, on a l'ouvri position qui c'est soit que ou sous pensez la monter, dans cas ça nous ca fait tous les deux, nous acheter non buy long ou bien si nous pensez la descendre plus bas que prix il y a qu'on y a dans 5 autres minutes ou 10 autres minutes bien pour journée, nous seul short. Généralement Binance permet ou ajouter take profit avec un stop loss après position fin l'ouvri. Donc nous pas le montrer nous encore qui j'en ou ajouter ça, qui j'en ou ajouter ça la donne, l'offre ouvre position, qui j'en ou mettez take profit. Là, on va pas le calcul, est-ce que position bon, est-ce que le pas bon, on va juste montrer nous, qui j'en rentre, qui j'en sorti. OK? Et puis, qui j'en ferme position, il y a plusieurs façons qu'à fermer li, soit profit ou qu'à market de fermer, ou qu'à fermer à 100%, ou qu'à fermer à 50%, it's up to, il dépend de où, de qui calcule ou fait. Donc, c'est étape ça yo en résumé que même pour le faire, nous pour le pratiquer qu'on y a là, sous compte, on compte Binance que, qui a pour training ça. Donc, y a un exemple très simple. Donc, si que n'a pas entré dans une position quelconque, m'pas besoin analyser chat là en tant que tel, m'a juste montré nous qui j'en nous l'ouvrir position. Comme nous trouvons position là, par défaut, nous gagnons l'élément ça qui sous cross par défaut. Ça que l'homme dit dans le training, nan, redéfinir le leverage là, c'est de ça que t'as parlé. Donc, première barre là, si nous dit n'a long, nous pensons que. Assumez que nous pensons que Bitcoin va monter. Il y a actuellement 57 480 dollars, whatever lié. Donc, pour journée ou bien pour qu'on y a, si mettez le nom de chat 15 minutes, nous dit que nous pensons que la continue à monter pour une raison ou pour une autre. OK? Donc, un, c'est Bitcoin qui m'a cherché. Li. Comme là, par défaut, li, l'ouvre n'importe quoi, c'est Bitcoin généralement qui montait. Donc, si je n'ai pas Bitcoin USDT là, je vais taper BTC. OK? Et puis BTC, comme account lancé USDT, je prends BTC USDT. Là, je choisis token ou bien crypto que je besoin placer futur contrat sous lit. Étape 1. Deuxièmement, ça me prend le fait, je prends identifier bon, différents compartiments et. Bon, je pense qu'on a fait là, on voit. OK. Donc, Binance là, ou bien n'importe majorité future et dashboard pour, et tableau de bord pour écran pour un compte futur, ou bien majorité et trading account même, là, presque gagné des outils qui la donnent. Premier, ou capable gagner des tokens qu'on mettait comme favori, qui bord. Combien prix ont changé dans le journée que nous capables jusque là. OK? Donc, je dis Bitcoin descend 0,25% dans le journée, Ethereum moins 1,58% dans le journée, et Sandbox plus 36,5% dans le journée. Deuxièmement, nous avons une section côté qui permet que nous capables de sélectionner qui token WAP et ou besoin de trade. Binance a plusieurs autres outils qu'il a utilisé. Donc, ma présenté Binance parce que l'im plus utilisé. L'IPA, bon, comme c'est le numéro un lié tout en maintenant dans la plateforme d'échange. Donc, mais ça m'a dit là, ou presque valable pour en pile dans l'autre. Donc, comme pas utilisé, on ne peut pas dire tout, mais en pile dans l'autre. OK? Donc, il y a l'autre information là qui baille, qui j'en prie à changer actuellement. Est-ce que l'a monté? Est-ce que l'a descendu? Nous gagnons et
variation prière dans le dernier 24 temps. Nous avons un élément qui est extrêmement important là. Pour l'instant, nous avons encore besoin d'entrer là-dedans parce que son position à l'ouvrir. Nous avons un élément qui est chart là. C'est-à-dire, ça nous a dit que c'est graphique qui baille nous et action sous prière ou bien changement de prière à chaque unité, à chaque intervalle de temps. Donc, ça encore. Bien sûr, c'est une formation continue net, nous parlons bien. Parce que chaque saillot, il y aurait les bougies, ou bien candlestick en anglais, qui représentait information particulière, qui voulait dire où? Là, sinon, en intervalle de 15 minutes, qui voulait dire où? Dans 15 minutes ça, ou bien dans 15 minutes ça, qui j'en prie à t'échanger. Donc, comme dans le si le bleu, si le vert, par exemple, il était ouvert à tel côté, mais qui prie qui pire ou qu'il y attend dans les dernières 15 minutes là, mais qui prie qui pire bas que il y attend, il te l'ouvre là, il ferme ça, il ferme ici là, prie pire ou qu'il attend, c'est ça, prie pire bas que il attend, c'est ici là. Donc, lecture chat là encore, il fait partie de un training à part pour nous capables de voir qui fonctionne. Et puis, chat là, il y a des indicateurs. Côté que nous allons chercher pour nous ajouter sur dépendant de l'analyse que nous avons fait. L'autre élément qui est important pour l'instant. On va partager, non? Écran va partager? Non. Moi, je vais mettre là. Moi, je vais mettre là. Les partager. Les partager. Normalement, c'est pas non dit pas partager et puis nous parler. On y a le bon. On y a le bon. Ok. On va en forme. Ouais, ma femme là. Ciao. OK, merci tout le monde. Et puis donc là qu'on y a ça que nous n'a focus pour journée là, nous gain ici à ça n'est les order book généralement pas trop focus sur lui encore, mais il rend nous confus c'est que yo dou à qui prix mon yo choisi 20 bitcoin contre bitcoin là et à qui prix mon ça yo veulent acheter. Donc, ça n'a pas le order book. Ça, c'est tout trade qui passe, c'est-à-dire à qui prix dans le SA, qui quantité et à qui prix contrat Bitcoin a payé trade. L'autre élément qui est important, c'est côté nous parle placer trade noir et spécifiquement. Donc, ici, l'en utiliser cross là, c'est que ou dit Binance ou bien ou dit plateforme nan ou ap louvri yon position mais les que ou atteyen non seul limite li kapab pran kòb soit nan kòb ou gen ki disponible nan la ou bien on kòb ou gen sou on l'autre position sou louvri plus que yon position et ça fait généralement et si que ou pral dormi par exemple ou louvon tu ou pa kontin la pralé ou pa mete stop loss ou bien ou pa on met un buy limit dans liquide dans liquidité a ou capable avec cross là li capable permettre que Binance al prend un cob ça pour capable continuer position pour pas liquide. Mais nous presque plus moi même presque plus utiliser et presque qu'on sait utiliser isolé. C'est-à-dire que tout ça fait dans position, li rete dans position. Soit perdu, li rete là-dedans, il pas prendre cob en quin l'autre côté pour cap augmenter position. Ensuite l'impact de leverage, une telle leverage ici à qui c'était 4-3x, c'est exactement c'est là qui leverage là, c'est l'important pour nous cap définir leverage nous. Mais tu as expliqué à partager pour nous. Pardon? Tu as partagé pour nous parce qu'il va apparaître là. Il va arrêter. Monsieur, ça me un problème ensemble avec Daniel. Il paraît, là, il bien paraît. Problème, il paraît. Il est possible, c'est un problème internet, monsieur. Il paraît normalement. Ok, merci. Là, il a de paraître normalement. Excusez-moi. Donc, dans le cas ça, nous avons défini le leverage là. Le leverage peut aller jusqu'à 125, 100% si vous voulez. Mais, j'aime dire nous, il y a un bagage qui crée le prix de liquidation. Plus les vieux hauts, c'est plus ou à courir gros risque. C'est vrai. Non, si tendance là à aller dans ce sens où, ou gain chance pour faire plus comme tout. Mais maintenant qu'on y a, alors évaluer risque récompense là, ou qu'a dit, il pas vaut la peine parce que si on prend levier 100,
c'est que depuis le prix Bitcoin ou n'importe quel prix token, il varie de 100% dans la direction opposée, ça me prend, me liquider. OK? Donc, si que les 5 ans, si que les 25, n'a bien plus, la banque plus marge de manœuvre pour que change. Et dans la crypto-monnaie, nous connaissons les volatiles, dans une seconde, deux secondes, on peut faire 10-15% à l'aise. Donc, c'est ça qui fait que si que vous mettez le chat pour bien comprendre la tendance là, ou bien ça décarre le momentum là, donc il est préférable que ou pas, vous choisissez si levier pour capable de trader. OK? Donc là, je quand même mettre un levier 3. Généralement, je vais faire avec 4 et maximum 5. Donc là, pour tuer ça, nous avons un levier 3 qui veut dire n'importe quel montant que je choisis, mettez dans la position ça, comme ça, à multiplier par 3. Jusqu'à présent, j'espère que ça clair. Et donc, un autre élément important encore, c'est les que nous dit que yon entry zone ou bien yon entry price. OK? Donc, c'est vol 0.2. Et donc, pour nous capable rassurer nous que nous rentrons à 0.2, donc, laissant li intéressant que ou fait yon, et comme de dit ça, yon limit order pour que l'élevé ou capable acheter par limit order, c'est-à-dire ou dit ordinateur, dit Binance, m'a pas acheté Bitcoin ou bien Doge pour tout prix qui en bas prix ça. Et d'ici le pire que lui, tant qu'on est là, Bitcoin 57.58, m'a dit m'a pas acheté à 57.478. C'est prix ça et signal l'antébail. Donc, là, ça m'a besoin d'utiliser, ça m'a décarré yon et yon limit order pour m'a capable permettre que l'y rentre. Comme ça, tout. Mon cap dit en passant un market order, par exemple, quand vous avez trois belles bougies qui ont formé là, vous dit là, un bel momentum, vous gardez RSI, vous voyez que l'entre dans ce qui est intéressant, tout indicateur dit que l'a monté. Donc, vous n'avez pas tant de place en market order, vous n'avez pas tant de place en limit order, vous juste placé en market order. Laissez-moi vous dire que n'importe prix Bitcoin est là, qu'on y a, m'a prenne. Donc, il y a dit, si je presse, je besoin de la donne, je dis n'importe quel prix lié, juste bamli. OK? Donc, nous avons deux moyens où nous sommes capables de rentrer dans la position. Donc, les positions finies d'entrer qu'on y a, les positions qui ont dit qui considèrent Bitcoin, m'a acheté dans la position. Même plus ou moins, plus que j'ai utilisé et élément ça qui dit que m'a acheté avec probablement 25% comme gain dans un wallet moins. Bien qu'a dit m'a acheté avec 10% comme gain dans wallet moins mon cas rentrer dans position ça. OK? Donc généralement nous pas besoin à cliquer dans ces comme pour entrer chaque une bagaille quand c'était comme. Et chaque monde on gain 50, on gain 100, on gain 10. Donc c'est même qui connaît avec quand c'est comme ou après rentrer. Ensuite, nous gain take profit stop loss. Généralement, Binance par quitte mettel dès le départ. Les positions fin rentrée, li peut tout mettre li. Et puis, si je pense que token a monté, m'a utilisé un buy long. Si je pense que Bitcoin côté lié à qu'on y a c'est descendre pour aller descendre, m'a sell short. OK? Ensuite, donc ça yo c'est presque élément essentiel pour nous capable placer un trade. Un, je connais qui crypto m'a besoin de trade dans journée ou bien dans signal là on connaît qui crypto que a metté. OK, si je rentre dans Doge par exemple, yo te buy Doge là, nous quand entrer dans Doge là, nous quand toujours été dans Bitcoin là. Donc it's up to nous, li juste en fonction de signal là. Par exemple, si me dit qu'on y a là m'a rentré dans Bitcoin qu'on y a n'importe prix lié. Si me dit OK, m'a prendre en Bitcoin s'il descend 57 584. On garde m'a fond limit order, n'a garde un point dans tout petit neuf la passé. S'il pas passé, n'a pas retirer les pour market order je me carreli. OK, mettons qui côté plus cap plus rapide 57 819.
Donc, je me dis, ma position, ça avec 10%, 15% de portfolio. OK? Donc, comme penser la montée, je dis, ma longue. Parce que moi, je dis la montée. Je dis, ma short de tout pour pratiquer, comme c'est pratique, n'a fait. Donc, je rentre avec un levier 3, isolated. Je dis, qui quantité de corps, ma besoin. OK? Et puis, je dis, c'est un long, ma fait. Donc, là. Donc, automatiquement, que je place hors de là, je prends le corps là, à 40 moins, je lock li, mais ça le fait, je fais ça, je fais un open order. C'est que le fait que je dis, je ne t'ai pas acheté à 57,619, pria pire que ça, donc je ne parle pas de position. Position. Et je ne prends pas position. Order à l'ouvrir. Mais position pour qu'on l'ouvre, qui fait que n'a gardé open order 1 et dit que m'a pas acheté Bitcoin, mais m'a pas acheté pour plus cher que 57,619. N'a pas quelques secondes pour moi s'il passait, c'est juste montrer. Donc là, il y a tenu, parce que c'est, si elle dit c'est à prix, ça m'a acheté. Si m'a acheté le PIO, m'a pas fait profit et nécessaire ou bien et la donne. Donc, n'a pas fait nous, j'en lié à le passé, on va descendre, mais comme Bitcoin est très volatile, il est capable de prendre une seconde à l'autre. OK? Donc, pour nous capables de faire le deuxième exercice là, donc, on va le passer qu'on y a un market order, c'est pour que il prenne à n'importe prix Bitcoin là, travail. C'est d'ici que si on n'a pas. Il est à prendre, il est à prendre. Order. Non, il ne peut pas prendre, cliquer sur position. Ah, OK. Order, il est toujours l'ouvre parce que Bitcoin est toujours pire que 57,709, 57,700. Donc, il ne peut pas prendre. On a espéré qu'il prenne pour nous faire, mais l'important, c'est que tu fais un market order qu'on y a pour nous faire. Si que nous avons une position libre, bien, content, c'est rapide, nous sommes scalpés. Nous pas besoin de perdre du temps à quitter le bloqué là. Nous juste. Fait qu'on y a un market order. Donc, on a dit ma market order, ça veut dire di Binance, n'importe prix Bitcoin y est là, 20 000. OK? Donc là, ma fait avec, je fais toujours avec 10% portfolio encore. Donc, ma fait un market order et ma fait un buy long. Là, automatiquement, je passe order ça, là, tout. Ouvrir position pour moi, pour qui ça? Parce que n'importe prix lié, je ne pas spécifié prix, je vais acheter, je vais acheter avec n'importe prix que lié. OK? Donc, on garde pour nous, buy long. Nous, automatiquement, tout, l'ouvrir position pour moi. OK? Donc, ça fait différence entre yon limit order, yon market order. Market order, il fait passer pour vous automatiquement. C'est que sans que il pas faut tant et les que il attend prix ou te mettez ou cap dit entry point là. M'espérer ça clair pour tout le monde. Donc là nous ca l'ouvrir en longue position qu'on y a là si me te besoin si me pense Bitcoin pral descendre en guise de longue m'a fait un short qui c'est même exercice là si me pense Bitcoin a descendre ca dit m'acheter Bitcoin dans là. OK, parce que je pense qu'il va descendre plus bas là, ou là, n'importe côté, ou bien une zone qui va représenter un support pour lui dans la dernière 15, 1, 2, 3, disons dans la dernière 4 heures de temps, ça y est, je vais dire, OK, ma prends profil là parce que je pense qu'il va descendre. Donc, je suis capable, en guise de long, de mettre prix besoin, je vais faire market order, si je besoin de prendre rapide, et puis, je shortly. Donc, même genre, si je sorte avec limit order, je suis obligé de tendre, descendre dans le prix côté de besoin, ou monter dans le prix côté de mettre limite là, avant qu'elle ouvre position pour moi. Donc, ouais, order, ça a été sous limit type, il a toujours été ouvert, il n'a pas exécuté parce que Bitcoin n'a pas descendre dans 619 là. OK? Tandis que ça m'a fait avec market order, il a temps. L'Igentan est passé automatiquement. Monsieur, que le presque passé là, qu'on a comme Bitcoin là, a descendu là. Donc, l'autre bas, on t'a parlé dans la danse, c'est take profit et puis stop loss. Comme nous avons une longue position,
tek profit la ap generalman pi wo ke pri n te rentre ya. Paske m pense la monte. Donc, nan Binance, m kal definil nan pa bo y sit la la. E li preske menm pou tout lot platform ki gen yo. Donc, m ap klike y sit la, m espere ekran la ja sekoun ka wel. E pi, ou pral di Binance, ok, map bezwen profi, si m di m pense la prive 58,000, m ka gade ki profi m ap fe. Donc, si la prive 58,000, kom nou pa mette ital gampil kob la dan, donc la fe, anti levi la fe $2. Si m pense la prive 59,000, la bay $14. Donc, m ka di ok, le si rive 58,000, ma pran profit. Donc c'est dit là, on définit Santé Carlé target là, pratiquement ça lié c'est 58,000 là. Si j'atteins $58, la mettre me dans en position là vendre m'a fait $2.70. OK? Et puis tout me ca mettre un stop loss, c'est-à-dire que si Bitcoin descend plus bas que ça me tâche, là me tâche là 57.821 par 57.775, m'ca dit s'il descend 56,000 $, vendre pour moi parce que je ne peux pas le perdre plus que ça. Donc, je ne peux pas le perdre plus que $21 sous position, par exemple. Donc, le conseil, je définis profit suivant target là. Et puis, je définis maximum perte que je prends avec portfolio dans position, dans stop loss là. Et puis, de me confirmer, là, je suis dormi à l'aise. C'est que s'il atteint 58,000, là, je vais faire $2. S'il descend tout dans la position opposée à ce que je dépense, il arrive dans $21, je vais faire $21, là, je fais une position. Et puis, laisse me garantir l'autre trade. Par contre, l'autre bar, il n'a pas de lit qui c'est liquidation price, par exemple. Donc là, nous gardons dans la position ça me rentre à si Bitcoin atteint $38,662, j'ai prends tout comme moyen. C'est ça le prix de liquidation, c'est-à-dire prix, j'ai fait même position si Bitcoin ou bien si token là descend plus bas que côté li si descend plus bas que prix ça, j'ai fait une position qui c'est là encore lié à risque et à gestion de risque. Donc, en gros, donc, si on a fait une position ça avec profit, nous avons juste fait un market order. Et puis, donc, sous position ça, on fait mes lits, on fait $2 sous lit, par exemple, parce que l'on fait mes ou qu'on fait mes automatiquement juste avec un market order pour que vous capable de sécuriser un profit quelconque. Ou du moins, tout, si on a perdu tout, on est négatif, on a juste cliqué sur market, et puis on sortit la donne. Pour que l'I capable et pour que l'I capable faire une position. Par contre, si tout le monde est clair samedi, je vais faire l'autre market order encore pour être capable et rentrer dans une position rapide encore. On a bas en long. Et nous relouvrir position. Même genre, on définit 10% portfolio, on rentre là-dedans. OK? Donc, on pense la monter. Donc, si que on dit. Ok, d'accord, je perdu tant comme ça, je vais faire là. Comme ça, tout le deal, son limite tout, à qui limite pour être capable de faire une position. Je ne vais pas utiliser parce que soit je définis stop loss, moins take profit, moins ici à déjà, ou du moins, je juste faire un market order pour être capable de faire une position. M'espérer ça clair pour tout le monde. Donc, par exemple, là encore, je vais dire, je vais faire une position rapide. Automatiquement, je fais un $0.96 sous position sans corps dans le jeu Bitcoin. Et nous avons gardé nos gains de ça qui était à la limite là, il n'est pas jamais passé. Pour qui ça? Parce que Bitcoin n'est pas jamais descendre dans $57,619. Donc, pour exemple, ça, je vais juste faire mes take profit là, je vais faire mes et order. Que moi tiens l'ouvrir. Donc en gros c'est comme ça cycle ou mettez comme sous plateforme non ou transférer sous future et trading account ou capable identifier qui token ou besoin rentrer là-dedans ou définir qui leverage doit prendre ou définir qui quantité cob doit acheter avec lui et puis ou décider si c'est long que tu es du long ou long c'est short du short
ou short. Et puis, l'offre pour une position définit stop loss et take profit. Et puis, qu'on y a, ou qu'a quitté l'ordinateur à faire pour automatiquement, qu'on s'attoue ou même ou qu'a fermé avec yon market order. Et yon question, s'il vous plaît, bonsoir. Petit temps tout petit, quelques questions. Hein? Nous presque fini. On va juste passer dans l'autre slide. Et puis, on a pour vous questions. Mettre quelques questions sur section ça, puis on a pour après. Merci. Donc, nous finissons la partie ça. Et c'est presque c'est l'essentiel dans la formation. Hein? C'est objectif, nous, ça. Tu es capable de faire. Nous faisons étape ça, on après l'autre. Donc, nous avons différentes plateformes nous capables d'utiliser, dont KuCoin, et je crois que les fonctionnaires Haïti, pas vraiment bien garanti que SFK Haïti a fonctionné sous lui, mais nous avons gardé, c'est presque même interface ou capable d'acheter Bitcoin sous lui, ou gagner liste de tokens qui chaud, dans le moment, chaud qu'on dit fait, ou du moins tout, token qui favore qu'on mette la donne. Ensuite, il y a un chat là, ou qu'on choisit qui ça va tuer ici. Ah, moi, tu mets ça. Donc, nous toujours le chat là. Nous toujours le chat là. Donc, ça, c'est KuCoin, par exemple. Nous avons choisi token nouvelé. Good, parfait. Donc, nous avons choisi token tuer là. Et puis, ici, nous avons défini à qui prix nous avons acheté son limit order ou bien si nous avons pris un market order sous lui. Et puis, nous définis leverage nous. Généralement, nous conseillons leverage. OK? Et puis, comme par login, la boîte aspect buy long, l'offre nouvelle position, la en bas là, ou à suivre évolution position avec le temps. Donc, et buy, et lui-même, lui permet que, si nous gardons, ça, c'est me souhaite montrer nous desktop et version sur ordinateur. Ça, c'est version téléphone. Sougain sous téléphone, par exemple, il y a présenté comme ça. Et moi, j'ai un tutoriel qui est disponible sur Telegram, non, sous Doge, que Podaxwell t'a fait pour nous déjà. Donc, c'est même genre, ou l'ouvrir compte et KuCoin non sur téléphone, non, ou login normalement. Et puis, on parle dans futures, 100x futures, qu'on a là, des bougies comme la Dani, ou qu'on a fait, ouais, available là, pas un comme un account ça, mais on a transféré comme la Dani directement. Et puis, ici, là, on a fait même activité buy, ou bien sell, buy long, ou bien sell short, ou qu'on a défini à qui prix on va acheter li, qui quantité on va acheter li, et puis on a dit qui levier on va utiliser. Trade là. Aussi simple que cela. Et puis, by a KuCoin, by un avantage. Et bien, encore, je ne sais pas que l'effectif pour Haïti. Donc, vous pouvez acheter avec carte de crédit sous lit directement. Et aussi, vous pouvez faire transfert de token d'un wallet en l'autre. On m'en acheter le pour vous. Et bien, il vaut le pour vous. Ou même, vous pouvez mettre le sous account. L'autre, les plateformes qui ont belle graphique, tout qui est intéressant, qui c'est Ascendex. Et il fait presque même bagaille là. Donc, c'est presque le même schéma de sous Binance là. Donc, regardez les mêmes outils, même CATIO, même token, même qui j'ai cherché, pas bon ici, qui token qui. Yeah. OK, future trading. Donc, même interface. Donc, nous avons un pile option devant de ça qui a marché pour nous. Nous avons un pile et option. Donc, c'est toujours même chat Bitcoin. Là. Ou capable long, ou capable acheter, ou capable définir le vidéo. Et vous placer position. Et puis, en bas, ou position qui l'ouvre. C'est-à-dire, order qui peut passer, qui l'ouvre. L'aile passer, vous capable suivre l'évolution dans la section de position. Ça. Et puis ici, on a gardé l'order book là pour garder qui prix moun yo vle vendre contrat et qui prix moun yo dispose à acheter li qui bal prix équilibrium market là. Et puis donc na Ascendex la tour, li gen version web li a, version app li a qui bon bel design que moi remet tout. Donc
même Jean avec Jean Banensia, il presque très semblé en termes de graphique, en termes de design, Jean a présenté acheter limit order ou cap définir un market order si vous voulez acheter rapidement qui quantité à acheter et vous permet tout définir par fraction que vous même remet en pile. Et ça n'a pas besoin de regarder si c'est 110 dollars, si c'est 10 dollars, mettez. Je dis ok, si vous avez 100 dollars, mettez 25% la donne. Donc, la fait 25 dollars, vous prenez 25% la donne. Bâton. Si que ma shot, si que je pense que vous avez descendu tout, même j'ai un tout, sous APLA, et dit pas besoin vraiment une version desktop. Si vous avez, c'est bien, mais avec téléphone et internet, il suffit pour me capable de faire crypto future et profiter de l'opportunité que l'I représente. OK? Donc, l'autre plateforme passe sous l'I à pied joint et l'I aussi l'I permet que vous faites achat avec carte de crédit et l'I même un plus grand panoplie de choix. Et sous KuCoin, m'utilise banque ça déjà, l'I marche bien au compte le bon prix, même, je pense que meilleur que Coinbase et récemment. Donc, nous pouvons utiliser. Et on a avantage lien avec. Plateforme nan, Libor, qui est nan, et provider sa ou, bien troisième monde, bien tierce person sa ou, qui a bon meilleur prix dans la transaction et qui est capable plus rapide pour. Ensuite, nous avons Elbank encore, que nous utilisons dans, que gen moun nan groupe nous a utilisé pour Trade Future, qui encore, li, même pas utilisé, li, donc pas capable en pile de li, mais yo presse gen même fonctionnalité yo. Ou gen tout trade qui passe, ou gen order book ou ici a, ou ka sélectionner bola qui token wap trade, ou sélectionner leverage là, c'est isolated pour pas connecter toute position ensemble pour que chaque position responsable propre tête pali, OK? Et ensuite là, ou capable ouvrir une position long, sou pense prix a monter ici a, ou définir à qui prix, qui quantité et puis sou pense l'app de token app descend tout. Ou ka di à qui prix, à qui quantité, ou à faire et puis ouvrir en position short sous et Elbank, qui encore gagne qui intéresse et qui utilise. Si vous comprenez une plateforme, toutes les plateformes ont presque fonctionné même genre. Ligon li appli a présenté comme ça, li peut être non seul page, contrairement à l'autre, ou tout fait non seul présentation, ou ka tout ouvre en position longue, ou l'ouvre en position short. Automatiquement. Toujours position, mode position 1. Hein? Je conseille nous utiliser isolated pour permettre que nous ne mélanger comme nous gagnons qui disent dans l'account là ou bien notre position qui le pour ne pas prendre comme sous lit. Et puis on leverage qui est plus petit que 20. Par défaut, tout pas fait nous bailler 20, mais il n'est pas conseillé plus que 20. Et puis, définir cas définir qui joue pour ce market là, si c'est un limite on doit mettre sous un prix fixe ou besoin d'entrer la donne, j'en modérateur by signal là. Ou bien sûr, dire rentrer à n'importe qui prix et tout, vous pouvez vous mettre limite order. Ben, mon signal qui fait comme ça, je dis à soi dans Doge, qui dit prix à bon entrée. Donc, si dans une minute que vous êtes là, ou quand la donne, vous pouvez faire limite order, vous faites juste un market order pour qu'il rentre en position parce que vous pensez que le momentum pour le capable prendre direction, une bonne direction que nous pensons que la prend un. Enfin, nous gagnons aspect lui-même tout, il peut utiliser plusieurs cartes, plusieurs et qui peut utiliser third party. Nous disons que c'est banque ça déjà, mais elle fonctionne de façon plutôt intéressante. Mais par contre encore, si quatre Haïti passé sous lui. Donc c'est en quelque sorte c'est ça que me dégage. C'est lien que m'utiliser soit pour te by définition et crypto-monnaie ou bien adresse pour nous capable website pour nous capable connecter à plateforme ça ou que c'est Ascendex, Binance, KuCoin, Elbank, n'importe que nous avons besoin ou dire ça que m'utiliser dans le document ça. Donc là je pense que c'est nous t'a dit c'est presque la fin de présentation hein, que là maintenant on a pourvu à question pour monde qui gagne question.